Bonjour à tous, merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo égyptien à l'UBFL avec vous. Aujourd'hui, c'est la fin de la quatrième semaine de BA1 microtechnique. Et demain, on va commencer la semaine 5. À ce stade-là, pour beaucoup d'étudiants dans leur bachelor, ils arrêtent pour un petit moment comme ça. Et ils voient comment ils se souviennent très clairement de la journée d'accueil. Comme si c'était hier, comment ils se souviennent de la première semaine de physique et la première semaine d'analyse 1, comme si c'était juste hier. On n'arrive pas à croire que 4 semaines de cours de 6 ou 7 matières sont déjà passées. Et ça fait un petit peu peur, surtout pour les gens qui sont un petit peu en retard. Et alors qu'on est en train de demander comment faire la série l'exo 5, l'exo 4, on voit le prof en train de dire que semaine 7, semaine 8, on a un test blanche pour nous entraîner à l'examen final. C'est ça qui baisse maintenant, probablement après la quatrième semaine, pour beaucoup des étudiants. Mais moi, dans cette vidéo, je suis ici pour vous dire qu'on peut tous réussir et qu'on peut tous avoir de bonnes notes. On a encore l'opportunité d'améliorer nos études, d'améliorer notre vie étudiante et de le rendre plus efficace, de voir ce qui nous fait problème dans soit l'analyse, l'algèbre ou n'importe quelle autre matière et fixer ce problème. On a tous cette opportunité. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous conseiller tous d'utiliser, de bien utiliser cette opportunité et de ne pas le gâcher parce que on n'aura pas une autre opportunité. Pour tous les étudiants qui à ce stade ne sont pas à l'aise ou confortables, je vous conseille fortement de organiser trois très important dans votre vie qui vont rendre tes études plus faciles et plus efficaces. Premièrement, tu dois régler ton nourriture, ça, quand tu manges et quoi, qu'est-ce que tu manges. Ça doit être quelque chose de fixé que tu sais chaque jour. Sinon, on va passer beaucoup de temps à dire qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais cuisiner, et ça prend beaucoup de temps, et à la fin, on va voir, oh, j'ai perdu quelques heures dans lesquelles j'aurais dû faire quelque chose, faire une série ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est le premier gros truc que tu dois organiser si tu veux améliorer tes études. Et la deuxième chose, c'est le sommeil. Franchement, le sommeil, c'est un gros problème pour beaucoup d'étudiants et ça aussi, ça cause beaucoup des étudiants de perdre beaucoup d'heures dans lesquelles ils auront à bout faire quelque chose dans leur étude. Alors, le sommeil, tu dois t'habituer à dormir un certain nombre d'heures qui ne change pas. Un certain nombre d'heures à laquelle tu es discipliné pour le semestre entier. Si c'est du truc, tu sais les organiser, les régler très bien, ça sera beaucoup, beaucoup plus facile d'organiser tes études et d'essayer de mettre en place toutes les choses que tu dans lequel tu as des problèmes en cours. Et voilà, ça c'était mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez tous profité de cette vidéo
Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez que je fasse dans l'avenir. Et merci beaucoup. À bientôt.